que je vous prends une semaine après les rushs que vous venez de voir, mais complètement. On est une semaine après, donc pendant mon autre pause congé, en fait, mes 2 jours de congé. Clairement, je ne sais pas ce qui s'est passé. Quand je suis rentrée la dernière fois de ce petit rush de ma journée shopping, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai pas eu envie de prendre la caméra de suite. Et puis après, j'ai passé une semaine exténuante. C'était infâme. Il y avait plein de monde au boulot et tout. Je rentrais, j'étais fatiguée. Après, j'ai été malade pendant 2 jours. Genre, ça a été éclair, hein, une sorte de rhume paralysant presque. J'étais vraiment KO. Et en plus du travail et tout, donc bon voilà, j'avais fait les tests tout nécessaire pour bien être sûr que ce soit pas notre petit copain là. Mais clairement, j'étais exténuée. Donc je me suis dit, il est temps de reprendre ce vlog en main, de vous montrer un petit peu mes petits achats, surtout livres, hein, parce qu'au final, j'ai absolument pas acheté ce que je voulais, parce que les collections d'automne étaient là sans être là. C'était encore un mélange entre été et automne, et moi je voulais vraiment m'acheter des choses clairement pour l'automne, et il n'y avait pas ce qui me plaisait. Donc voilà, du coup, j'ai acheté très très peu pour moi en habits de ce que je voulais. Voilà, j'ai acheté de la lingerie principalement, c'est ce dont j'avais besoin. Et du coup, bon, ça c'est bon, j'ai trouvé. Mais niveau vraiment vêtements, je voulais m'acheter des jolies jupes, trouver pourquoi pas des robes, des jolis t-shirts manches longues avec des petits cols et tout, là, mais j'ai pas du tout trouvé. Donc en mode vraiment shopping. Oh, mais attendez, en plus, je suis arrivée avec mon petit tote bag Anna. Genre, j'étais trop fière. Voilà, j'avais mon petit tote bag en librairie de Anne et genre j'étais trop contente de me trimballer avec mon petit tote bag. Donc oui, en vrai, en achat vêtements, je me suis acheté simplement un petit polo. Voilà, un petit polo mais qui est plus chaud, hein, qui est vraiment en matière pour l'automne. Donc ça, c'est vraiment sympa de le mettre dessous à un pull. Et du coup, voilà, quand j'aurai chaud, je pourrai être plutôt en t-shirt, mais c'est un t-shirt d'automne, voilà, je dirais. Et en mode petit polo, tout simple, noir, donc il a le col polo, je sais pas si vous voyez bien, j'adore, j'adore, et avec bah, des petits boutons. Donc voilà, celui-là, il était très mignon, je l'ai pris chez H&M ou Zara, non, H&M, je crois. Donc voilà, ça c'est fait, mais c'était mon seul achat vêtements parce que tout le reste ou ne me plaisait pas ou c'était un entre-deux de saison et j'ai pas besoin de vêtements d'entre-deux. Donc voilà, maintenant je vais vous montrer mes livres, forcément. Voilà en quantité ce que ça représente. Bref, La Panthère des Neiges de Sylvain Tesson est enfin sorti en livre de poche. J'étais trop contente, trop 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 contente, ça fait un très long moment que je souhaite découvrir Sylvain Tesson, et notamment avec La Panthère des Neiges dont j'ai vraiment entendu parler. Il paraît que c'est un peu le maître du nature writing, c'est vraiment un genre littéraire qui me fait de plus en plus envie, qui je trouve matche bien avec ce que j'aime, en tout cas j'ai envie d'en découvrir de plus en plus. Et du coup, pourquoi pas commencer et vraiment me lancer dans ce genre avec Sylvain Tesson. Et j'étais trop contente, je l'ai vu là, il était donc au prix poche, voilà, 7,50 €. J'ai dit, bon, trop 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 bien, donc j'ai vraiment hâte. C'est un petit livre qui fait... Il était sorti en NRF auparavant. 185 pages, donc je suis trop contente. Il a eu prix Renaudot, vous pouvez le voir. Enfin voilà, c'est vraiment... paraît que c'est un livre qui est absolument... génial. Donc ce livre nous permet d'accéder à une dimension de la vie, de la nature, dont on ne soupçonnait même pas l'existence. J'ai trop hâte de le lire, je le trouve trop mignon en plus, donc on enlève ce bandeau que on s'en fout, hein. Voilà, je le trouve trop joli, j'adore les éditions folio. Donc vraiment c'était la bonne surprise parce que j'étais totalement passée à côté de la sortie poche de ce livre que j'avais dans ma wishlist depuis déjà un petit moment, mais je me suis dit waouh, mais trop bien, il est là, je l'embarque, je pouvais pas du tout le laisser. Trop 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 contente de mon acquisition là, clairement. Donc je pense qu'il sera parfait à découvrir ben, cet été. Oui bien sûr. Je pense qu'il sera absolument parfait pour découvrir cet hiver. La Panthère des Neiges, ça fait très titre d'hiver. Et puis ça va être très très bien de se plonger dans un titre nature writing en hiver. Enfin, moi je kiffe. Donc je suis trop contente. Trop 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 contente de cette acquisition. Ensuite, ma petite boulette, mais je pouvais pas passer à côté non plus. J'adore les éditions Babel. J'ai envie d'acheter tout quand je vois des titres des éditions Babel. J'ai donc acheté Aki Shimazaki. Bon, ça c'est l'auteur, Shimazaki. Fukinoto, l'ombre du chardon. Mais vous voyez qu'à aucun endroit, à aucun moment, on énonce que c'est une suite de saga. Il coûte 6,80 €. C'est un tout petit livre, mais trop mignon, qui fait 130 pages. Voilà, je le trouvais trop bien. Je vous lis donc le petit résumé, ça m'a
trop donné envie. Après des années passées en ville, Atsuko s'est installée avec sa famille dans le village où elle transformait un terrain hérité de son père en petite ferme biologique. Elle se sent ainsi épanouie et épaulée. Elle sait qu'elle sacrifie son mari, citadin convaincu, a consenti pour elle. Les affaires marchent si bien qu'elle doit recruter une assistante. La femme qui postule est une amie de jeunesse, brusquement perdue de vue à l'époque, qu'elle est très heureuse de retrouver. Et ça m'a trop donné envie, et sauf que je savais pas du tout que c'était apparemment un tome 4, c'est au moment de l'ajouter sur Livre Addict, parce que Livre Addict n'a toujours pas d'application. Qu'est-ce qu'ils attendent? Pourquoi ils ne modernisent pas ce site internet que moi j'adore personnellement? J'ai pas du tout envie d'aller sur un autre réseau de ce type en fait pour ajouter mes lectures, j'adore, je le trouve hyper cool, mais il manque clairement une application. C'est pas si compliqué maintenant de faire des applications, il y a plein de moyens d'y accéder, d'y arriver. Et je comprends pas, enfin ça serait tellement bien d'avoir une petite application et pas simplement d'enregistrer le lien sur son téléphone, mais c'est pas pratique parce que c'est pas du tout optimisé pour téléphone, donc une application, ça serait trop bien avec la pile à lire, la wishlist, le truc, le tout, qu'on puisse consulter les ouvrages, se renseigner sur place quand on est en déplacement, qu'on n'est pas sur notre ordi, parce que moi clairement je consulte le livre indique que sur mon ordi, je déteste le faire sur téléphone, sur tablette ça passe encore, mais bon même c'est chiant, sur tablette ça serait bien une application également. Bref, du coup, je me suis pas rendu compte, mais je pense du coup que ça doit quand même se lire indépendamment. Et puis bon, au pire, pour 6,80 €, voilà, je pense que je passerai un petit moment sympa avec ce petit récit que je trouve, mais absolument trop cute, ce petit ouvrage. Donc voilà, je pense clairement que je suis pas obligée de connaître toute la trame pour passer un bon moment de lecture. C'est ce qui compte. Et puis ensuite, c'est des mangas. Donc bon, je voulais me procurer la suite de Beyond the Cloud, le tome 4, c'était ma priorité absolue. Ils ne l'avaient plus, ils avaient déjà fait un retour, alors que c'est sorti. C'est sorti quand? Juillet ou en août? Bref, le tome 4 qui était attendu depuis des années, il est déjà en retour. J'ai pas compris. Bon, je leur ai dit ok, soit. Du coup, j'ai pris le tome 2 de Terrarium. Regardez la beauté. Donc là, je l'attendais aussi avec impatience. Et le tome 3 sort tout bientôt aussi. Je sais pas si c'est pas en octobre. Octobre ou novembre, mais avant la fin de l'année, c'est sûr et certain, avec une couverture qui est plus dans les marrons. Bref, c'est vraiment une série. J'ai pas eu un coup de cœur pour le tome 1, mais je l'ai trouvé si intéressant. Il y avait plein de choses hyper positives dedans que j'ai adoré. Et j'avais tellement envie d'en savoir plus. Donc, du coup, voilà, je me suis lancée dans cette nouvelle saga et ça, c'est parti, hein. Donc, pour l'instant, je suis à jour, je l'ai et j'ai hâte de le lire, clairement. J'ai hâte de le lire, de voir un petit peu la tournure que ça prend. Le tome 1 assez introductif, mais qui était tellement intéressant. Donc voilà, Terrarium de Yuna Hirasawa. Et c'est Glénat. Voilà, donc si vous êtes un petit peu curieux, les couvertures sont incroyables. Incroyables. Donc bon, ben ça, je suis trop contente. Ensuite, je n'ai pas pu résister. J'étais face à eux, donc j'ai pris le tome 4 et le tome 5 de Aria. Voilà, hein, vous le savez, c'est chez Kihun Shonen, c'est ma saga d'amour, c'est ma saga préférée. J'ai lu que 3 tomes, mais ça m'a clairement suffi pour savoir que c'était vraiment tout ce que je préférais et tout ce que j'ai le plus apprécié de tout ce que j'ai lu jusqu'à présent. Donc voilà, Aria the Masterpiece, donc j'ai le tome 4 et 5, il me restera plus que le 6 et le 7, vu que le 7 et dernier tome de la saga est sorti assez récemment. Et voilà, bah du coup, une fois que j'aurai terminé ces 2 tomes, je pense avant la fin de l'année, voilà, j'aimerais les lire avant la fin de l'année pour me procurer les 2 autres et derniers tomes. D'un côté, ça m'attriste de le dire, quoi. J'ai pas hâte de les acheter, en même temps, si, parce que, faut que je puisse à terminer. Mais voilà, vous voyez ce que je veux dire, le fait de savoir qu'après, ça sera terminé et que bah, je pourrai que la relire et plus la découvrir vraiment. Hein. Voilà, mais en attendant, du coup, c'est lequel le 4? Voilà, celui-ci, c'est le 4 et celui-ci, c'est le 5, donc ben, le prochain que je lirai, ça sera celui-là, je pense, en octobre, pour lire celui-ci en décembre, faire un petit break, et me laisser un petit peu de temps à savourer encore et encore cette saga que j'aime tant. Donc me voici un petit peu plus avancée côté Aria, ça c'est plutôt cool. Et enfin, une sortie que j'attendais avec impatience, que j'avais trop envie d'acheter, c'est celui-ci. Donc c'est, attendez, ben, on va l'ouvrir parce que c'est... l'homme et... Non, le chat. L'homme triste et le chat. Bon, attendez, je vais vous dire le titre entier parce que là, du coup, on a un truc, un shikishi offert. C'est quoi un shikishi? Je sais pas du tout. Et donc, je m'en passe. Ça fait donc une semaine qu'il est sous blister que j'ai même pas regardé dedans. J'étais tellement dans ma semaine plongée dans mes trucs que... Oh,
J'ai mis tout ça de côté. Je me suis dit, bon, allez, je verrai quand je continue mon vlog. Donc là, je vais découvrir un petit peu avec vous l'intérieur et tout. Mais c'était une sortie que j'attendais avec impatience. J'avais flashé sur ce manga. J'avais flashé sur l'idée du truc. Oui, bah écoutez, un Fukushi... Un quoi? Un Shikishi. Un Shikishi, pour moi, c'est un sous-vert. Hein. Voilà. Bah écoutez, c'est très mignon. Merci à tous mes lecteurs. Mais c'est trop cool. Donc c'est Soleil Manga qui fait ça. Ça s'appelle donc Le chat qui rendait l'homme heureux et inversement, écrit en petit. Regardez la beauté. Alors c'est un manga un petit peu plus grand. Hein. Je vous montre le format classique avec Terrarium. Voilà. Et c'est quand même moins grand que Aria. Et d'ailleurs, ça se ressent au niveau du prix. Je crois qu'il m'a coûté... Ah ouais, mais c'est code prix. Mais je crois hein, de souvenir qu'il m'a coûté dans les environs de 11 euros. Voilà, donc c'est quand même plus cher qu'un manga classique. Oh, c'est trop beau. Oh, j'adore. Non, j'adore. Je vous lis le résumé parce que moi, j'étais tombée en amour. Et devant l'esthétique de cette couverture que je trouve absolument magnifique, tellement apaisante et vous voyez ce que ça dégage. Bon, et regardez le pitch. Fuyuki Kanda est un homme seul et triste. Un jour, il décide d'entrer dans une animalerie où il remarque Fukumaru, un chat pas très beau, gros et puis très jeune. Ce dernier semble triste et désespéré car personne ne veut de lui. Pourtant, de manière inattendue, Fuyuki va l'adopter. Ainsi commence l'histoire d'un quotidien plein de tendresse entre un homme et un chat en mal d'amour. Mais du tranche de vie entre un homme triste et un chat un petit peu rabougri qui manque d'amour, mais je dis oui pleinement. Et je suis trop contente, franchement, je suis trop contente d'avoir ce livre-ci. Donc c'est Soleil Manga, ça je vous l'ai déjà dit, je suis ravie. Je suis ravie, je vous ferai des petits inserts pour vous montrer un petit peu, ou quoi que je vais vous montrer comme ça maintenant. Donc voilà, un petit peu l'esthétique. Oh, ça va être tout tranche de vie, plein de tendresse, là je sens que je vais adorer cette histoire. Voilà, voilà, je suis trop contente. C'est un seinen, bien sûr, c'est vraiment la catégorie de manga que je préfère. Et voilà. Du coup, en plus, oui, je crois que la suite sort tout prochainement également, hein, au mois de novembre, il me semble, ou pareil, avant la fin de l'année. Donc je suis très contente. Encore une nouvelle série, vous me direz. Mais je suis trop contente. Franchement, quand je flash comme ça sur des titres, ben voilà, c'est des achats un petit peu immédiats, non contrôlés. Et ça fait du bien aussi. Ça fait vraiment du bien de suivre ces instincts-là. Donc voilà pour ces nouveautés. Sinon, pour le reste de tout ce que j'ai acheté, en fait, c'est surtout pour les calendriers de l'Avent. Parce que je vais faire un calendrier de l'Avent ben, à mon chéri. Ça fait maintenant quoi 2 ans ? Non, c'était pas l'année dernière, c'était l'année d'avant ou l'année d'encore avant, je sais plus, 2 ou 3 ans du coup, que je lui avais fait un calendrier de l'avant et genre il avait tellement aimé, il était tout content chaque matin de se lever, d'avoir son petit cadeau, donc c'était des fois des petites choses, hein. Des fois il y avait juste un jour où il y avait 2 photos nous rappelant bah, des souvenirs communs, de temps en temps bah, il y avait... Je sais pas, un petit cadeau sur un univers qu'il aime, un petit truc de nourriture, voilà, en fonction bien sûr de ses hobbies, de ses loisirs, des choses qu'il aime. Et du coup, bah, je vais lui en refaire à lui. Donc pour lui, je lui ai trouvé que 2 cadeaux hein, pour chéri. Donc j'ai donc décidé d'en faire un à mon chéri cette année. Bon, pour que du coup il retrouve ça et je suis trop contente de lui en refaire un tout simplement. Mais j'ai décidé d'en faire un aussi à ma maman. Donc ça, j'ai trouvé quand même quelques petits trucs pour celui de ma maman. Et j'ai décidé d'en faire un à ma sœur et ma nièce et mon beau-frère du coup. Voilà, hein, vraiment un calendrier de l'Avent famille où il y aura des fois des cases pour ma sœur, des fois des cases pour seulement pour Lison, ma nièce, des fois pour mon beau-frère, des fois ça sera des cases... ma sœur Lison, des fois ça sera des cases juste pour les parents, enfin voilà. Du coup je suis trop contente de faire ça et voilà, du coup j'essaye de m'y prendre maintenant pour accumuler un petit peu tout ce qu'il faut, même au niveau du budget ben, c'est plus étalé, je m'en rends pas trop compte, c'est des petites choses, hein, c'est pas des gros cadeaux, même si des fois il y a des jolis trucs, mais voilà. Petit à petit comme ça j'arriverai au 1er décembre en ayant tout acheté pour tout le monde et ça c'est plutôt cool. Donc voilà, au final c'était le principal de mes achats. Donc écoutez, je sais pas du tout ce que je vais faire, là ce matin il m'a pris une folie, donc on est du coup vendredi combien, 16 ou 17 je sais plus, et il m'a pris une folie, je suis rentrée dans la salle de bain, il y avait des trucs partout. On a une très petite salle de bain en fait, on a une très petite salle de bain, c'est genre la pièce la plus petite, bon
à côté, c'est mieux comme ça, parce que bon, je préfère que ma salle de bain soit plus petite que mon salon, hein, à choisir. Mais vraiment, voilà, on a une petite salle de bain, et du coup, c'était vraiment en beaucoup en bordel, et il y avait des choses un petit peu partout. Et il m'a pris une folie quand je suis rentrée, j'ai dit, hein, je peux plus attendre une seconde, donc je voulais vous prendre beaucoup plus tôt ce matin, commencer le vlog, vous montrer des choses, mais là, je peux plus attendre, j'en pouvais plus, j'avais même pas envie de prendre ma douche, rien. J'ai tout vidé la salle de bain, j'ai fait un tri, j'ai trié tous les produits, les médicaments. Vous savez, les médicaments, des fois on a tous des médicaments périmés qui ne sont plus valides ou que l'on a laissés parce que moi personnellement je prends très peu de médicaments. Donc c'est vrai que quand on a besoin d'un médicament, on se dit, ah mince, il est périmé. Et puis on le met de côté en disant on va le ramener à la pharmacie, mais en fait on le fait pas de suite. Bref, je suis peut-être seule, mais j'en doute un petit peu. Et du coup, là, je me suis dit, allez, je fais un sac avec tout ce que je dois ramener à la pharmacie. La prochaine fois que je passe devant la pharmacie, je dépose le sac. Voilà, j'ai fait un tri, tout ce qui va au recyclage, tout ce qui est à jeter, tout. J'ai tout lavé de fond en comble, vinaigre blanc, bicarbonate et tout, pour que ce soit nickel et l'impression de respirer là à nouveau. Et j'ai l'impression de redécouvrir ma salle de bain. Voilà, donc je suis trop contente. Et voilà, du coup, là, je vais aller un petit peu me poser, je vous reparle de mes lectures en cours tout à l'heure parce que là je vais souffler un bon coup et puis que ça fait déjà 20 minutes que je vous parle, j'imagine à peu près. Donc voilà, je vais faire un petit break et puis je vous reprends tout à l'heure. Voilà, ce sera un petit vlog tranquille où on parle de lecture, des petits achats et puis du quotidien. Voilà, je vous fais à tous des bisous et puis à une toute prochaine fois. Très bientôt. Ouais, mais moi, je vous prends dans l'angle de vue le plus improbable qui soit, mais genre j'avais envie d'être allongée, vous voyez, de m'installer sur le côté confortablement. Du coup, tout à l'heure, ben, je vous ai pas repris beaucoup de temps après. Enfin, je voulais vous reprendre beaucoup plus vite que ça, mais pas en fait. Après, j'ai fait mon sport. Je voulais du coup vous parler de mes lectures en cours. Et donc, ma lecture en cours, c'est Watership Down. Donc de Richard Adams, publié dans une magnifique collection des grands animaux chez Monsieur Toussaint L'Ouverture. En fait, à chaque fois, il y a un animal comme ça sur la couverture. Hop, et là, c'est comme ceci. Voilà, à chaque fois. Mais surtout, ces couvertures rabat là que je trouve incroyables. Regardez comme c'est shiny. Et quand vous ouvrez le livre, en fait, et que vous êtes dans votre lecture, vous voyez là à chaque fois sur le côté les dorures, enfin de la couleur associée au livre. À chaque fois ici c'est le vert et c'est magnifique. Des fois ça part sur du vert émeraude selon la lumière, c'est du vert plus intense, du vert forêt, enfin c'est trop trop beau, je trouve que, enfin moi j'adore, c'est des petits détails qui me font beaucoup plaisir pendant ma lecture. J'en suis donc à la page 355 et il en fait 540, un truc du genre, ouais. 540, donc j'aimerais bien, là, d'ici la fin de mes jours de congé, arriver à la page 450. Ce qui voudrait dire lire ça. Pour qu'il me reste ben, qu'une centaine de pages, du coup, à terminer. Je vous avoue que je le traîne, hein, je l'ai commencé début septembre. Mais voilà, c'est sur du papier tout fin, tout ça, et j'ai un petit peu de mal à lire longtemps. Et du coup, bah, j'avance pas rapidement, hein, comme d'habitude. C'est toujours un petit peu mon problème. Mais c'est vrai que c'est ça se lit très bien. Hein. Et j'adore ce livre. Je le trouve vraiment trop trop bien, original. Et pour le coup, l'écriture est très 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 jolie. Mais voilà, je trouve que c'est pas non plus un livre qui se dévore. Mais pour le coup, c'est assez déroutant. Hein. Forcément, on est sur une histoire où les personnages principaux sont des lapins. Donc ça, je préfère vous le dire d'entrée, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Parce que pas tout le monde ne trouvera un intérêt à suivre des lapins. Attendez, il faut que je change d'angle, ça ne va pas du tout là. Je disais donc que forcément, pas tout le monde ne trouvera un intérêt à cette histoire et à suivre des lapins en fuite, en fait. Puisque c'est réellement le cas, en fait, on est dans une garenne, une colline verdoyante, si vous voulez. Et il y a un lapin qui est un petit peu plus sensible aux événements, qui a, vous voyez, un instinct un petit peu plus développé et qui sent un grand danger qui guette la colonie. Et du coup, il va faire part donc de ce danger imminent rapidement à son frère qui lui fait confiance, hein, parce qu'il a déjà montré
que ben, il fallait quand même lui faire confiance et suivre ses instincts. Mais là, pour le coup, ce qu'il propose, c'est de déplacer l'entièreté de la colonie. Genre, il faut fuir cet endroit. Et pour cause, hein, il y a des constructions immobilières ou je ne sais plus quelles... Ouais, c'est ça, hein, je ne me rappelle plus exactement. Oui, bon, j'imagine que c'est ça, c'est des constructions par l'homme, en réalité, qui arrivent et qui vont détruire leur colline verdoyante et donc leur habitat. Et on va donc suivre ces lapins dans une fuite infernale et une course au danger permanent afin de trouver un lieu qui puisse devenir leur nouveau chez eux. Et donc, cette contrée idyllique, Watership Down. Et en fait, c'est trop bien. Moi, j'adore mon histoire. Je vous dis, la seule petite difficulté, c'est de lire pendant un grand moment pour moi, pour le moment, et donc d'avancer considérablement. Mais cela dit, j'adore ma lecture. Je trouve que c'est un petit peu un livre génie. Vous voyez, c'est un ovni. Hein. Clairement, c'est un ovni parce que c'est compté de manière très mature. C'est une plume qui est absolument magnifique, avec des descriptions de paysages, d'ailleurs, une description... de la flore, de la faune, des espèces, des espaces verts, qui est absolument magnifique. Effectivement, ce qui me paraît assez logique, puisque les animaux que l'on suit évoluent au sein de cet environnement de la nature, donc forcément, on est vraiment plongé dans le contexte de nos personnages principaux, qui sont du coup des lapins, je vous le rappelle, et on les suit avec tous ces dangers, et on s'attache à eux, ils ont tous des petites... caractéristiques, oui, différentes. Il y a le gros lapin qui est vraiment un peu celui sur qui on se base pour la force physique. Il y a celui qui fait preuve du coup de réflexion. Il y a ce fameux Fever, je crois qu'il s'appelle Fever, je sais pas comment on peut prononcer ça, qui est très instinctif et qui voit venir les choses. Donc on a le leader un petit peu du groupe qui lui va prendre les décisions, va essayer de guider tout le monde et voilà, on a le petit peureux. Bon bref, ça constitue une horde, un groupe de lapins que l'on suit et c'est cool quoi, voilà, moi j'ai hâte de savoir leur finalité, est-ce qu'ils vont trouver ce Watership Down réellement parce que voilà, des fois on y croit et puis il se passe d'autres choses et voilà, ça, c'est un roman qui bouge beaucoup. Là je vous avoue que j'ai traversé 20-30 pages je dirais, où j'ai trouvé que c'était un petit peu plus mou parce qu'on partait dans des histoires, on a des lapins qui sont un petit peu conteurs aussi, on a toute une mythologie et un folklore qui se développe autour des lapins et du coup on a des mythes et légendes, des lapins dedans qui sont racontés, on a du vocabulaire, en fait une sorte de langue, de langage qui est réservé aux lapins mais que l'on comprend facilement dans le texte parce que ça nous expliquait, mais du coup après ils réutilisent ce langage pour communiquer et en ça c'est très très bien fait, mais voilà, ce petit passage là sur une histoire en particulier qui comptait m'a un petit peu assommé, mais voilà, en un sens j'ai vraiment très hâte de le terminer parce que déjà ça fait un petit moment que je suis dessus, mais effectivement aussi pour connaître cette finalité et voilà, est-ce qu'ils arrivent à trouver cette fameuse terre promise où ils seront en sécurité, mais voilà, c'est vraiment très haletant, c'est prenant, c'est très bien écrit, c'est beau, mais je pense que ça ne peut pas convenir à tout le monde et que pas tout le monde ne pourra en fait vraiment s'impliquer dans une histoire où les personnages principaux sont des lapins. Voilà, je sais que ça ne correspond pas à tout le monde, il y a pas mal de personnes par exemple qui ont beaucoup de mal avec ce que l'on appelle grossièrement je crois la fantaisie animalière, donc voilà, autant qu'on a des personnages qui ne sont pas des humains ou des créatures qui peuvent s'apparenter, peut-être surnaturelles, mais qui peuvent s'apparenter à des humains, qui sont d'autres espèces, mais vous voyez ce que je veux dire. Alors que quand c'est des animaux, c'est peut-être un petit peu plus délicat, parce qu'il faut se mettre dans la peau d'une autre espèce. Mais j'adore. Moi, je trouve que c'est vraiment une forme de roman génie, en fait, ouais. Un ovni de la littérature que je vais être ravie d'avoir terminé quand je l'aurai terminé. Et je peux d'ores et déjà dire que c'est une très bonne lecture, sans que ce soit un coup de cœur, à moins que la fin me surprenne énormément et tout. Mais voilà, par les petits ventres mous parfois que j'ai ressentis, même si c'est très haletant et qu'on a envie de connaître la suite, c'est pas un coup de cœur, mais je me régale. Je me régale avec cette lecture, donc voilà pour ça. Et à côté, je lis en livre de chevet « Les fleurs du mal » de Baudelaire. Du coup, et en fait, j'ai capté qu'il fait beaucoup moins de pages que ce que je pensais.
Parce que là, après, il y a. Attendez. Voilà. Ça, c'est préface. Donc, tout ça, c'est de la préface. Donc, en gros, les poèmes, vraiment, s'arrêtent à la page 244. Donc, au final, c'est beaucoup moins que ce que je pensais. Et là, j'ai lu 64 pages. Donc, voilà. Après, j'essaye de pas le manger parce que ça mérite réflexion. C'est des poèmes. J'essaye de comprendre un sens et tout. Des fois, c'est pas vraiment évident. Mais c'est très beau. C'est effectivement très très beau. Donc là, je pense que je vais me poser et essayer de lire quelques pages, genre une. J'aimerais bien lire une cinquantaine de pages à voix haute. Et pourquoi à voix haute? Pas que j'aime particulièrement cet exercice, parce que je trouve que c'est très difficile en plus de lire à voix haute, mais parce que ça m'aide à la compréhension. Et vraiment. Pour ces ouvrages, ce genre d'ouvrage-là, ça m'aide à capter la portée de ce que je dis. Pas que je m'écoute parler, en fait, c'est pas ça. Mais c'est que de le dire à voix haute, j'ai l'impression de plus le ressentir. Je sais pas du tout si c'est compréhensible ce que je dis, c'est assez bizarre. Mais ça me le fait pas avec un roman comme ça. Vous voyez, je vais pas lire à voix haute, je lis. Voilà, enfin, je trouve que c'est un exercice intéressant hein, d'essayer de lire à voix haute parce que ça prend une autre dimension. Mais voilà, un roman normal, même les mangas, hein, je le lis pas à voix haute, bien au contraire, et surtout quand il y a des dialogues et tout, enfin, c'est très difficile. Mais là, pour ce type d'ouvrage-ci, qui sont donc ben, en recueil de poèmes et tout, je trouve que, personnellement, en tout cas, ça m'aide énormément à prendre du recul sur le texte et à prendre toute la proportion du texte, en fait. Je le comprends mieux, voilà. Je sais pas comment vous expliquer la chose mieux. Mais voilà, dites-moi si pour vous aussi ça peut être le cas, surtout pour ce genre d'ouvrage, peut-être. Mais c'est aussi très difficile, je trouve. M'attacher les cheveux, je les laverai demain après le sport, je pense. Voilà, pour après réattaquer ma semaine avec les cheveux propres, parce que composé avec les jours de travail et autres. Voilà, du coup, ben, je suis contente d'avoir attaqué les fleurs du mal. Du coup, c'est mon livre de septembre de mon challenge, le Big 12 Challenge. Puisque en août, j'ai pas lu de livre de mon Big 12 Challenge, malheureusement. Donc voilà, je vais essayer de m'y tenir. Ben, il me reste du coup octobre, novembre, décembre et août. Hein, il me reste 4 livres théoriquement. Alors attendez, je vais essayer de regarder, de les retrouver avec vous. Il me reste La maison dans laquelle. Le plus gros livre de ma palle que j'aimerais bien me lire en novembre. Voilà, j'aimerais bien le caler en novembre. J'essaierai, mais bon, on est toujours dans le Pumpkin Autumn Challenge. Je l'ai pas mis dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. Si je lis La maison dans laquelle, je sais qu'il me faut au minimum le mois pour le lire. C'est un livre de plus de 1000 pages, écrit comme ça. Enfin, c'est la même édition que Watership Down, donc très compliqué. Voilà, donc je ne sais pas, mais j'aimerais bien novembre ou décembre. Mais décembre, je sais que potentiellement les 2 dernières semaines de décembre, je vais peut-être être avec ma famille et tout. Je sais pas du tout comment va se passer la fin d'année encore, mais bref. Du coup, un petit peu compliqué pour ça. Alors du coup, ouais, quels sont les autres que j'ai pas encore lus? Les fiancés de l'hiver, enfin le second tome, Les disparus du clair de lune, si je dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas, le tome 2 de La passe miroir. Que j'ai toujours pas lu, que j'ai dans ce challenge, que j'ai pas mis dans mon Pumpkin Autumn Challenge non plus, mais je me verrais bien lire celui-là en décembre. C'est pour ça que La maison dans laquelle en novembre, ça serait idéal, mais bon, bref, je verrai bien. Et lesquels il me reste d'autres? Il me reste Anne Frank, que j'ai mis dans mon Pumpkin Autumn Challenge, donc ça, je pense qu'en octobre, c'est largement faisable. Et il me reste ben, La tapisserie de Fiona Var, que je vais potentiellement. Remplacé par l'Odyssée du temps, là, celui dont je vous parlais pour mon Pumpkin Autumn Challenge que j'ai mis parce qu'il parlait de temps, de puzzle, enfin il rentrait parfaitement dans la catégorie, dans la dernière catégorie là, cabinet des mystères ou je sais plus trop. Donc voilà, je crois que c'est tout, hein, je crois que sinon tous les autres je les ai lus quand j'aurai lu celui-ci, que lui sera terminé, je crois que je suis à jour. Du coup, pas trop trop mal ce Big 12 Challenge pour le moment, je le respecte bien. Je verrai, de toute manière, je vous ferai un bilan à la fin de l'année, justement de cette expérience, parce que je compte vraiment la renouveler l'année prochaine, mon Big 12 Challenge, je pense le refaire.
parce que ça m'a bien plu en fait. Ça m'a bien plu d'utiliser des livres de ma palle et de me les fixer, de me dire ok, cette année, ces livres-ci seront lus. Voilà, ça m'a bien plu. Et du coup, voilà, je vais me poser un petit peu. Je vais lire quelques pages de Les Fleurs du Mal. Je suis donc, comme je vous disais, à la page 64 et j'aimerais bien, bah, pourquoi pas lire là jusqu'à la page 100 au moins. Voyons jusqu'à où ça m'amène. Ah ouais, ça fait vraiment pas beaucoup. Ça ferait lire ça. C'est vraiment pas beaucoup. Ouais, 100, 120. Voilà, comme ça me fait un petit peu avancer dans ce livre qui est, je vous rappelle, mon livre de chevet. Donc je lis quelques vers, quelques poèmes, ça se présente comme ça. Hein. Voilà. Donc par exemple, bah, je lis ce petit poème, voilà, je lis 2-3 pages le soir en fait. Et j'essaye de comprendre un petit peu, de réfléchir sur ces poèmes. Voilà, et ça me plaît beaucoup et je l'adore parce que c'est l'ouvrage de ma maman. Il est tout abîmé et tout, mais je l'aime trop. Bien sûr, je lui rendrai, mais je suis trop contente de l'avoir et de le lire, de savoir qu'elle l'a lu des dizaines et des dizaines de fois. C'est un de ses ouvrages préférés, donc voilà, je suis contente. Et puis oui, j'ai toujours Ray Bradbury en cours. Je l'ai bientôt fini, mais alors il me paraît interminable. C'est donc Fahrenheit 451. C'est sympa, hein, en plus, hein. C'est un bon livre, hein. C'est un bon livre. Non, c'est un bon livre. J'en suis à la page 177, j'ai l'impression d'avoir lu 500 pages. Vraiment, c'est un truc de fou. La couverture, on dirait qu'elle est toute noire, là. Je sais pas si vous voyez quelque chose, hein. C'est un visage un petit peu calciné. Bref, on y suit un pompier. Mais dans cette histoire, en fait, les pompiers sont chargés de brûler les livres. Voilà, l'accès à la culture n'est plus considéré comme correct. On est dans une société complètement futuriste, hein. Complètement folle, où la culture est source de conflits et les livres notamment sont complètement bannis et proscrits et on risque d'être condamné à mort et tout plein de châtiments si on possède des livres ou qu'on est surpris en train de lire ou enfin voilà et du coup ben on suit un pompier Montag, je crois qu'il s'appelle, qui va un petit peu réaliser la portée de ce qu'il fait et il va à suivre un petit peu cette montée de rébellion en lui. Et c'est intéressant. C'est vraiment très intéressant, mais je sais pas pourquoi. J'ai un petit peu de mal avec l'écriture de Ray Bradbury. Y a des moments du livre que je trouve magnifiquement écrit, hyper clair. Ça me plaît énormément. Et il y a d'autres moments où je me dis, c'est bizarre. Des fois, ça sonne creux. Des fois, j'ai du mal à adhérer à la plume de Ray Bradbury que je trouve... Pas incomplète, mais inégale un petit peu. Voilà, je sais pas. Il y a des moments de l'histoire, j'ai l'impression que c'est quelqu'un d'autre qui crie presque. Je trouve que c'est un style qui est très 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 difficile à cerner et vraiment pas évident. Mais pour le coup, il y a des moments du livre où je me dis waouh, qu'est-ce que c'est joli, et d'autres où je suis un peu perdue. Donc voilà, il serait temps que je le termine, hein, j'aimerais bien. Voilà, il me reste vraiment vraiment pas grand-chose pour le coup. C'est un livre qui fait 230 pages. Ouais. Et j'en suis à la page 177, il me reste rien, mais j'ai l'impression que ce que j'ai lu là, oh, c'était tellement long, mais je me le traîne depuis des jours, des jours, des jours, et presque des mois aussi, parce que je le lis que à mon travail. Et du coup, qu'à un certain endroit, et je le hachure, je le hachure, je le hachure, et c'est vraiment cette impression-là, je pense, qui fait que j'ai l'impression de ne vraiment, vraiment pas avancer, mais clairement, je galère à fond. Donc voilà, ça fait encore 20 minutes que je vous parle de pas grand-chose au final, de 3 livres. Mais voilà, comme ça, vous avez une petite mise à jour sur mes lectures du moment. J'ai terminé Le Jardin des Illusions en manga, que j'ai adoré, qui était un recueil aussi de petites histoires, de 10 histoires différentes, qui était mais un pur régal. Genre, j'aimerais trop qu'il y ait un manga dédié sur chacune de ces histoires. C'est vraiment très différent. En plus, on y retrouve de l'horrifique, on y retrouve du tranche de vie, on y retrouve des histoires silencieuses, enfin une histoire silencieuse en l'occurrence, sans texte. On y retrouve quoi d'autre? De la romance, une petite romance. Enfin bon, il y avait plein de petites histoires. Elles sont toutes trop intéressantes et un régal pour les yeux. Vraiment un gros 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 coup de cœur pour le trait de crayon du mangaka que j'ai plus en tête.
Et à la fin, on nous raconte un petit peu l'historique, l'histoire, la construction de chacune des petites histoires. Bref, j'ai adoré. Vraiment une très jolie découverte, je regrette pas. Autant le format nouvelle dans les romans, c'est vraiment pas quelque chose qui me plaît parce que je me retrouve frustrée. Mais autant en format graphique, là, en manga, j'ai adoré juste découvrir des petites bribes d'histoire comme ça. Mais c'est vrai que ça frustre un petit peu parce que, bah, comme je vous dis, maintenant j'ai envie qu'il y ait des mangas entiers qui sortent sur ces univers en fait. Il y a certains que j'ai vraiment beaucoup aimés, d'autres un petit peu moins, mais vraiment sur les 10, il n'y en a pas une que j'ai vraiment pas aimée, j'ai pas accroché. Donc vraiment une très 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 jolie découverte. Je vous en reparlerai en compte-rendu lecture, mais très très beau. Je me suis régalée. Voilà, donc ben, je vais m'installer, lire quelques pages, j'espère une cinquantaine, des Fleurs du Mal. Ça pourrait me faire un petit peu plus avancer. Et après, essayer de poursuivre Watership Down. Comme je vous disais, j'aimerais bien, ben, d'ici à demain soir, puisque je reprends le travail dimanche, avoir lu 100 pages pour qu'il me reste une centaine de pages. Et voilà, je l'aurai puisé sur le mois de septembre. C'est pas grave, c'est quand même une excellente lecture. Je suis vraiment contente de lire ce livre. Donc voilà. À son rythme, on est tranquille, et puis le principal c'est de kiffer ses lectures, de se régaler, de prendre le temps d'aller à son rythme, tout simplement. Donc écoutez, je sais pas quand je vous reprends, certainement demain, je pense, et puis je vous fais des bisous. 17. La beauté. Je suis belle, ô mortelle, comme un rêve de pierre, et mon sein, où chacun s'est meurtri tour à tour, est fait pour inspirer un poète, un amour. Éternel et muet, ainsi que la matière. Je trône dans l'azur comme un sphinx incompris. J'unis un cœur de neige à la blancheur des cygnes. Je hais le mouvement qui déplace les lignes, et jamais je ne pleure et jamais je ne ris. Les poètes, devant mes grandes attitudes, que j'ai l'air d'emprunter aux plus fiers monuments, consumeront leurs jours en d'austères études. Car j'ai pour fasciner ces dociles amants, de purs miroirs qui font toutes choses plus belles, mes yeux. Mes larges yeux aux clartés éternelles. Ça te tente, Mouille? Ma fifi. Il y a du poulet dedans. Ça peut être intéressant pour toi, non? Il y a du poulet. Qu'est-ce que tu en penses? Eh ouais. Petit dessert. Yaourt de coco. Des petits abricots qui sont congelés, là, qui ont décongelé tranquillement. Une cuillère de pâte à tartiner, une petite cuillerée d'amande et des petites graines de chia. Je vais me régaler, j'adore ces petits bowls. Et je suis en train de regarder sur mon livre addict et j'ai mis à tout hasard choisir un livre. Je suis en train de penser à ma prochaine lecture après Watership Down que j'ai avancé. Et il me sort l'arbre de l'été, la tapisserie de Fiona Barr qui est dans mon Big 12 Challenge. Donc je sais pas, il a quand même une note de 16,5, hein, vous voyez, sur 100 votes là. Le résumé a pas l'air mal et tout, mais je sais pas, c'est ben, le livre qui m'attire le moins de ma pile à lire, hein, c'était cette catégorie dans laquelle j'ai choisi. Et ça a l'air bien, mais pour autant, ça m'attire pas non plus. Donc. Est-ce que je le commence et je me dis, ben voilà, de toute façon ça passe ou ça casse, hein, c'était un peu l'objectif et c'est pourquoi je l'ai mis dans mon challenge, dans cette catégorie qui est dure à sortir parce que ben, c'est le livre qui nous fait le moins envie. Mais je me dis au moins ça passe ou ça casse et je saurai quoi faire avec ce livre, ou je m'en débarrasse ou je le garde et je poursuis. Je commence une saga vu qu'il y a 3 tomes, hein, saga terminée. Voilà, je sais pas quoi faire. Et d'un côté, j'ai envie de lire un jeunesse et j'hésite entre deux, donc je sais pas. Je sais pas, faut déjà que je termine Watership Down, je suis à 80% du livre, là il me reste 120 pages, voilà. Donc j'espère le terminer, si j'arrive à le terminer d'ici ce soir à demain, ça serait parfait. Bref, je vais manger un petit peu mon petit bol, là je vais me faire, je pense, une petite partie d'Overwatch et après je commencerai le montage, voilà. Et mon livre addict pour ceux qui souhaitent m'ajouter sur livre addict.
Le voici. Et voilà. Jardin des illusions, c'est ça dont je vous parlais, que j'ai trop aimé, je l'ai mis 18. Et j'ai lu ça aussi récemment, et c'était beaucoup trop bien également. Et ça, je vous en ai parlé dans mon dernier update lecture, ça aussi. Ça aussi, ça aussi. Ça, pas encore, pas encore. Ça non plus, pas encore complètement. Enfin voilà, vous voyez un petit peu mes dernières lectures, mes avis, tout ça, tout ça. Et c'est plutôt cool. Moi, j'adore Livre Addict. Voilà, je vous retrouve plus tard. Hello mes wapis, je vous reprends à bout de bras pour clôturer ce vlog puisque il est déjà bien assez long, j'ai entamé le montage et du coup bah, il reste plus qu'à clôturer. Malheureusement, j'aurais bien aimé vous parler définitivement de mon avis de Watership Down, mais il me reste encore quelques pages et ouais, j'ai essayé de regarder un petit peu pour comprendre mon rythme de lecture sur ce livre et je lis à peu près une quinzaine de pages en 20 minutes en fait. Donc voilà pourquoi j'avance si lentement aussi. Il faut vraiment que je me pose longtemps pour avancer vraiment considérablement. Donc voilà, tout à l'heure je vais essayer de me poser à peu près une heure. Comme ça je vais lire environ un peu moins de 50 pages en une heure à peu près. Donc voilà, et ce qui me laissera vraiment très peu de pages pour demain, j'aimerais pouvoir le finir demain. Ça serait absolument parfait et entamer le lundi, la nouvelle semaine, avec un autre bouquin. Et comment vous dire, j'hésite entre Le Château des Papayes et... C'est comme ça qu'on a tué mon oncle, un truc du genre, je ne me rappelle plus le titre exact. Mais voilà, entre deux jeunesses en fait, donc j'hésite beaucoup, je sais pas trop, mais j'aimerais voilà un livre qui se lit assez rapidement, je pense que c'est le cas avec les deux ouvrages là. Donc voilà, puisque après il y aura la lecture commune de Anne de Redmond avec les filles, avec Mesdemoiselles d'Avonlea, donc Mad Girl with a Book et June Wonderland. On avait décidé qu'on ferait ça en octobre, bon on s'est pas encore donné de date, il faut qu'on check ça, mais du coup je pense que ça sera minimum... Enfin, pas avant, je dirais, le 1er octobre. Donc, ce qui me laisse les 10 prochains jours et les 10 derniers jours de septembre avec pas mal de petites lectures sympas, même des graphiques et tout. Donc voilà, je vais essayer de faire ça vraiment. Et si je peux terminer vraiment Watership Down demain, au plus tard lundi, c'est parfait. Comme ça, ouais, il me reste bien 10 jours pleins avec d'autres lectures de septembre. Donc ça c'est plutôt cool, donc écoutez maintenant je vais clôturer ce vlog, j'espère que ça vous aura plu, j'ai beaucoup parlé de lecture pour le coup dans ce vlog-ci, donc voilà, je vous fais à tous de gros 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 bisous, on se retrouve très prochainement pour de prochaines vidéos du coup, et puis gardez bien en tête que les passions n'ont pas d'âge, vivez à fond, régalez-vous, ciao tout le monde.